Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, tu sais. Une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je allez bien aujourd'hui, moi ça va super. Depuis que je me repose un petit peu, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de douleurs dans le col. Bébé me met moins de coups parce que du coup, bah forcément, je le sollicite un petit peu moins. Il est un peu plus calme aussi, ça lui fait pas de mal. Donc du coup, c'est trop cool. Là aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai une dégaine un peu à l'arrache. J'ai juste un rendez-vous rapide, donc voiture. J'ai pas besoin de marcher, etc. Donc ça va pas trop me fatiguer. Où je dois me rendre. Donc voilà, et ensuite je rentrerai à la maison. En tout cas, voilà, ça va, il fait toujours aussi chaud, là, au compteur, 44 degrés, on adore, climat à fond, hein, on n'a pas trop le choix. En tout cas, j'espère que vous, ça va, j'espère que vous avez tous passé une bonne rentrée, et puis je vous fais plein de bisous. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison, j'en ai profité pour faire mes petits cils, donc je suis trop contente, je fais une pose classique, vraiment très naturelle, comme si j'avais juste du mascara. Voilà, c'est ce qui me va le mieux, quand je charge trop, ça ne me va pas, et c'est vrai qu'à Dubaï, ils ont tendance à beaucoup charger. Et là où je vais, franchement, c'est top, c'est The Salon à Dubaï. Je vais vous mettre leur Instagram pour ceux que ça intéresse qui sont sur Dubaï. Franchement, ils font tout type de poses et franchement, c'est trop joli. Donc ça, c'est fait. Ensuite, en rentrant, trop bonne nouvelle, je suis arrivée en même temps que le livreur qui nous a livré enfin la chambre du bébé, donc le lit et la commode. Donc je sais pas si on va installer ça tout à l'heure ou demain. Donc on va vraiment installer entre guillemets, mais vu qu'on va déménager, tout va rebouger. Donc je vais pas vraiment faire la chambre ici. Je vais juste entre guillemets poser les meubles les uns à côté des autres. Et je ferai vraiment la chambre comme il faut, la déco et tout, dans l'autre maison. Mais en tout cas, voilà, je suis contente. Il me manque juste mon cododo, mon couffin pour le salon et ma poussette de voyage. Et ensuite, on sera bon. J'aurai, je pense, tout ce qu'il faut pour bébé, même beaucoup plus que prévu. Puisqu'au final, j'ai pris quasiment tout. Sauf qu'au début, on va pas se mentir, il n'utilise pas tout. Il dort en cododo, il aura pas forcément sa chambre et tout. Mais c'est vrai que j'aime bien que tout soit prêt, je me sens mieux. Ça me permet vraiment de me dire, voilà, quand bébé il arrive, je sais que j'ai tout sous la main, s'il y a besoin de quoi que ce soit. Donc trop cool. Sinon, à côté de ça, pour moi, c'est l'heure du goûter. Je vous cache pas que je me suis fait un berlingot chocolat de chez So Shape. En ce moment, surtout quand on m'a dit, reste à la maison, ne sors pas trop, repose-toi, lève le pied. Je fais que bouffer, mais que des conneries. C'est tablette de chocolat sur tablette de chocolat. Je fais vraiment n'importe quoi. Ce matin, au petit déjeuner, c'était, si je pouvais manger 15 pains en chocolat, je les aurais mangés. Du coup, là, cet après-midi, j'essaie de compenser un peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui parce que je fais vraiment bordel. Je me suis fait un berlingot chocolat. Donc, c'est des berlingots sauchés qui sont trop, trop bons. En plus, c'est bien bourratif. Donc, ce qui est cool, c'est qu'après, j'ai pas spécialement faim. Que les gâteaux au chocolat, quand je mets la main dedans, c'est fini. Oubliez le paquet, oubliez le placard. Voilà. Donc là, du coup, c'est vrai que j'alterne régulièrement pendant ma grossesse. Et même avant, ce que je faisais, c'est que je remplaçais un repas par un berlingot quand je faisais des excès. Là, pendant ma grossesse, c'est en plus de mes repas, quand j'ai faim et que je veux pas non plus démonter le placard toutes les 5 minutes, je me cale avec mon petit berlingot. Donc, c'est hyper simple à préparer. J'ai mis 350 ml d'eau et le berlingot. J'ai checké et maintenant, c'est prêt à boire. Vous pouvez même emmener ça au travail, etc. Et en soi, So Shape, ça fait des années que je travaille avec eux parce que je suis fan de ce qu'ils font. J'adore leurs produits, c'est trop bon. Et surtout, c'est hyper efficace en termes de minceur. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, vous avez des berlingots sucrés ou salés qui vous permettent de remplacer vos repas. Ça veut dire que vous remplacez par exemple sur une durée de 5, 14 ou 28 jours sous forme de challenge vos repas du matin et du soir. Le midi, vous mangez ce que vous voulez et vous allez voir que les kilos, ils vont s'envoler sans frustration. C'est hyper bon, plein de bonnes choses pour ne pas avoir de carence non plus dans le cadre d'un régime. Et franchement, vous pouvez aller regarder même les retours clients, etc. Moi, ça fait des années que vraiment, c'est mes indispensables. Au-delà de vous aider à perdre du poids ou à maintenir la ligne, c'est super bon. Et ça, c'est rare parce qu'on va pas se mentir. Quand on fait des régimes, etc., généralement, les trucs qu'on mange et tout, c'est pas forcément un kiff. Du coup, après, on se venge sur le placard à gâteau. Ben, moi, c'est juste que je suis très gourmande. Mais du coup, quand j'y pense, je remplace par ça et ça fait trop l'affaire. Donc, profitez-en parce qu'il y a vraiment plein de saveurs sur le site. Ça vous permet même de vous faire des petits menus. Vous emmenez ça au boulot, c'est rapide à faire, ça prend pas de place et c'est méga efficace. Donc, profitez-en. Je vais vous mettre ma petite offre spéciale So Shape. Cause you are the reason I'm losing.